Avant qu'on commence, t'as une assurance? Quoi? T'es bien couvert, ça rembourse les frais dentaires. Oh! Y a un hôpital dans le coin? Hein? Il est loin? À environ 25 minutes, je dirais. Oh, je viens de te gifler, ça va aller? Quoi? Oh la vache! Alors comme ça, vous aimez vous battre? Et vous gagnez? Y a jamais de vrai gagnant. Vous êtes pas à l'hôtel ici, l'ami? Je pars, je m'en vais. Un ami m'a conseillé de venir te voir. Je tiens un roadhouse, un de ces bars en bord de route. Depuis un moment, ça attire une mauvaise clientèle. Je te paierai bien. Vu l'état de ta caisse, t'en as grave besoin. J'adore ma caisse. Réfléchis-y. Je sais qui t'es, toi. Elwood Dalton. Je suis un de tes fans. Ce type cache un couteau sous sa chemise. Tu recules d'un pas et tu lui mets immédiatement une droite. Tu vas y arriver. Parle-moi de ce videur. Il est tout cool, tout gentil. On croirait Mère Teresa ou je sais pas qui. Puis d'un seul coup, il te met une vraie raclée. C'est un gars intéressant, au final. Brand fait tout pour que le roadhouse ferme. Il veut construire une saloperie d'hôtel pour des gros cons de riches. Il faut que je vous avertisse. Ici, les gens règlent les conflits à leur manière. Salut les filles! Je vois qu'il y a une fête à tout casser ce soir! Dalton! J'ai un conseil pour toi. Laisse jamais quelqu'un t'approcher d'aussi près! Laisse-moi deviner, tu vas me menacer pour me pousser à quitter la ville? J'ai la nette impression qu'on peut pas te faire peur. Quand Nox est sur le coup, c'est que c'est réglé, mon petit biquet. C'est dur de me mettre en colère, mais quand je le suis, j'ai aucune retenue. Les gens ont l'air un peu agressifs dans le coin. Et lui, c'est un de vos amis? Non, je suis juste pété le bras.